en direct du pop de l'île noire. Vous écoutez? C'est à soi que ça se passe! Ah, j'ai pas mis le bon. T'as pas mis le bon encore. Encore. Tu l'apprendras jamais. T'as peu, mais pas. Faut pas que tu. C'est le premier ou le deuxième? C'est le premier. Ok. Ça se passe! C'est nouveau pour moi, ça, cette affaire-là. Ah, t'as un. Ah, je pensais que c'était une bébite. Ah, imagine les excuses que tu gères, là. Les excuses que tu gères d'humidité, j'en ai qui me rentrent dans la gueule pour elle. Je décalisse, je fais pas l'émission. Je décalisse aussi. On crie les gros insectes en forme de branche. Ah, un insecte branche. En direct, du Bob de l'île noire, vous écoutez? S'asseoir que ça se passe! Ça, c'est le bon. C'est la même chose. Wow. C'est Thomas Croft. Oh non! Nice. C'est Thomas Croft qu'on s'agit. C'est un gars qui était dans notre classe à l'ENH. C'est quoi son nom? Thomas Croft. OK, parfait. Cool. Le j'avais entendu de... Doba Caracol au début. Je trouvais ça ouais, nice. Doba, ils ont pris un petit swing rock. Ouais, ils ont changé. Podcast. Ils ont coupé Rasta. Ça finit par répandre. Je t'aime. Cool. Hey, merci d'être là. Vous assistez présentement à cette soirée que ça se passe. C'est un podcast à chronique où mes amis, collaborateurs, invités viennent faire des chroniques pour votre plus grand plaisir à tous. Francis Legendre, c'est moi l'animateur. Je suis pas tout seul autour de la table. Il y a des gens avec moi. Guillaume Boldoc. Oui, ça va bien, Francis? Ça va? Ben ouais, applaudissez Guillaume Boldoc. Yes, sir! Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Nice. Chroniqueuse invitée, Magali Saint-Vincent. C'est moi, bonsoir. Allô? Ça va, Mag? Hey, ça va extrêmement bien. Nice, cool. Pascal Marino. Oui, ça va bien, Francis, je t'entends. Très bien, merci. Tu pourrais vraiment faire ça dans le défilé du Père Noël, tu sais, la reporter. Ah, c'est sûr que là, ça chire, les reines se poignent, mais on a du fun. Les reines se poignent. Les reines s'engueulent, mais. Et notre invité cette semaine, mon autre Grenoble. Salut! Salut, Montréal! je fais de l'humour. J'adore ça. T'es comique? Je fais de l'humour. Ah, regarde. Comment ça va, mes petits bébés? Ça va super bien, toi? Ça va, je suis bien content d'être ici. C'est le fun. J'ai envie de toucher ton impair. Parce qu'en général, il porte un impair. Non, mais j'ai l'air d'un trou de cul qui a son manteau sur le dos et qui part 4 secondes quand ça finit. Mais non, je le considère plus veston. Au prix que ça coûte, tabarnak, je vais le montrer. Parce que sinon, ça se porte 4 jours par année, cette épaisseur-là. C'est un veston pour ce soir. C'est magnifique. C'est très beau, ben oui. Merci, je suis touché, puis je suis content d'être ici. J'ai envie de toucher. Touche-y. Et ton highlight, là, avec un petit fond de rosé, là. Oui, hein? Hip-hop. Oh, yes, contente! J'ai fait ça dans mon char. Ton highlight. OK. C'est une affaire pour les femmes et les tapettes, c'est tout. Hein. J'ai le droit de dire ce mot-là. Okay. Ben, donc, toi, t'as pas le droit. Moi, j'ai le droit. Aïe, aïe, ça va. Je suis contente que tu dis ça parce que j'arrive de Québec, je me suis passionnée. Puis là-bas, ils ont le droit de le dire. Tu fais ton domaine droit. Là-bas, là, ça ne dérange pas. Ouais, c'est le fun. Je me suis fait ça dans mon char stationné, là, en me disant peut-être que je ne paierai pas de parcomètre parce que j'attends que l'heure arrive, là. Tu sais, je me suis fait mon petit blush dans l'auto. Mais bien joué. Bravo. Mais merci, je suis contente. Ouais, toi, t'es-tu maquillée? Moi, j'ai mis du mascara puis de la titre, mais je comprends pas. Du mascara? OK, tabarnak. Je pensais que c'était une marque floue, là, de maquillage polonais, le mascara. C'est moi, mascara, Volga. OK. Ça va pas faire. Okay. Je comprends, Pascal, c'est tellement le fun de se mettre du highlight. Parce que t'as pas besoin de penser à ta face, t'as juste besoin de pogner la lumière de même. Puis là, quand tu vois la lumière, t'es comme pop, 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 pop. Ah, c'est ça le truc, ça fait 12 ans que je fais de l'argent maquillable, j'ai jamais catché. Mais oui, tu te mets dans la lumière, ou c'est que ça réfléchit. Et voilà. Ben, c'est tabarnak, c'est trouvé... mon non, métier mais... en plus, je sais pas. Ah, ben. Non, mais ça se peut que tu te retrouves avec une hernie discale. Mais you're shining bright like a diamond, bitch! Moi, je vais pas me vanter, mais j'ai pris une douche. Ouais, bien joué. Bravo, ben oui. L'highlight de ta barbe aussi. Très beau. L'highlight est très beau. Ouais. Ouais, très belle ta barbe. Moi, ma grand-mère est vraiment fan de toi. Ah oui? Ouais, elle tripe sur toi. À quel âge? Elle a 79. OK, oui, c'est encore dans ma table. C'est ton... 85 en montant sont mêlés. Ouais. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ah oui, ben je suis bien content. Ben oui, il y a trip full sur toi. Puis là, il y a comme un genre de petite une petite tradition qu'une fois de temps en temps... Ça va? J'entends de la musique. Il y a une petite musique. OK, parfait. Je suis pas folle. Parfait. Je suis la seule qui entend. Ah si, c'est la pauvre sénile. C'est pas moi, non. Oui, non, c'est ça, je pensais. C'est pas moi non plus. Non, je pense que c'est le bar. OK, parfait. OK, génial. Merci.
Cool. Puis, ouais, des fois, j'appelle ma grand-mère, puis j'ose avec, puis c'est tout le temps bien drôle. Je me disais, ça te tente-tu qu'on l'appelle? Chris, oui. Ah, mon Dieu, c'est bon, non. Oh, c'est bon. Est-ce que j'ai besoin de savoir des informations avant? Diane, hein? Diane, oui, elle s'appelle Diane. Un chat violent. Elle a un chat super violent. Ben, non, je pense que... Elle est un peu violente aussi. Elle a un chat vraiment violent. Diane, es-tu au courant? Non. C'est ça. Fait que là, j'espère qu'on va la pogner pas dedans. Ouais. J'ai l'impression qu'on a... C'est les meilleurs moments quand elle a pas dedans. Là, mais... Wow. Hey, c'est notre salaire. En attendant, que tu composes, juste dire, on pense, une théorie, c'est que c'est son chat qui la séquestre. Ouais. Ouais. Pour vrai, elle a vraiment une relation toxique avec son chat. C'est problématique, là, sérieux. En plus, le chat, il a comme des grosses pattes, là, genre, il a des pouces, là, tu sais, fait qu'il pourrait tenir un couteau. Ouais. Ou l'étrangler. Le mien aussi. Ou l'étrangler. Ma plus vieille, elle a des pouces. Ah oui. Là, ça fait 5 doigts, mais elle a 6 griffes par patte. Elle a comme une supplémentaire de Vélociraptor ici. Ouais, puis elle a, c'est vrai, elle a 7 par patte parce qu'elle a entre le pouce puis le doigt. Puis oui, puis c'est une machine à tuer avec. Là. Elle est gentille au moins, mais je trouve ça épeurant que mon chat ait la capacité de texter, mettons. Comme... Comment ça s'appelle? Elle s'appelle Capitaine Chulo. Cute. Oui, si avec un nom de même, je voudrais tuer. Ouais. Mon plus jeune s'appelle Petit Pain. Merci. Oh, cute. Oui, jeune, j'aime ça. OK, t'es prêt, Mona? Ben oui. Ça part. Oh, elle s'appelle Mamie sur Facebook. Moi, je l'ai surnommée Mamie sur Facebook. Je suis excitée. Là, on va l'entendre bien dans les speakers, en plus. Je sais pas si ça va te reconnaître, pas de maquillage. Ça fait de valeur, hein, ça va tomber à l'eau en asti, ce bout-là. Il est tard, là, pour Mame Pépin. C'est juste Guillaume qui s'est rasé. Mame Pépin! Ah! Oh! T'es un peu... Es-tu correct? Ça, c'était une respiration d'outre-tombe, là. T'es un peu... Oui, c'est d'outre-tombe, certain. Comment ça, je te pogne-tu dans un mauvais moment? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, je fais rien de bon. OK, mon Dieu, on va rapidement changer d'air, tout le monde ensemble. Tu me reconnais-tu? Ben oui, c'est de ton époque. Robert Bourassa, c'est moi. Je te niaise. Ben, ça me dérange pas de me faire niaiser parce qu'il y en a déjà un qui m'a niaisé hier. C'est qui? Ben, celui qui est avec toi, là. Ah oui, Francis, hein? Ben oui. Ouais, tu l'as-tu déjà vu tout nu? Puis je me lève à 6 heures, puis pas de chouclec, rien. Pas de Francis non plus. Puis pas, okay. Mamie, il va pas coucher. Non. Hier, j'étais allé à Trois-Rivières, puis j'ai... Puis j'arrive, j'étais pour marcher toute la journée, t'es allé dans la mortuaire. Ouais. J'arrive, j'ai un papier, c'est écrit « Je t'aime, je t'apprends à faire caca. » Ah, c'est charmant. Hey, mamie, t'as eu avec ça. Il est le fun. Ben oui, il est pas payé. Mets tes lunettes, là. OK, là, tu me reconnais-tu, là? En tout cas, sont un petit peu plus petites que les tiennes. Ouais. C'est parce que je suis encore en BCK gaz de Stancy. J'ai bien des maringouins qui fessent. Fait que j'ai des grosses lunettes, me sauver la cornée. Ouais. Je m'appelle... c'est moi, Mona de Grenoble. À toi pas! C'est une fan pour de vrai. Là. Ah, tu me niaises-tu? Je te le jure. Là, je suis en gars. Il y a quelqu'un qui a le rouge à lèvres, on va y aller. C'est Mona! Ah, c'est qui, donc, toi? Moi, c'est Francis. Ça, c'est Mona de Grenoble. Ouais, on m'a. Ouais, mais je trouvais qu'il y ressemblait un peu, mais je. Ouais, oui, ben oui. Il est trop tard, là. C'est moi, mamie. Comment tu vas? Je suis contente de te parler. Ben, t'es beau tant en homme qu'en femme. Ah, oh, ben, ça me touche. Oh! Ça me touche. Ah, oh, applaudissez là, donc. T'es bien fine. J'ai eu peur de où c'est que ça s'en allait, cette affaire-là. Là. On va-tu être obligé de cancel, mamie, là? Ben, non. Mon Dieu, il n'y a pas confiance, hein? Non, ben, non. Sorry. Fait que tu fais quoi de bon, mamie? J'écoute Netflix. Hein? Netflix, qu'est-ce qu'il y a de bon sur Netflix de cet acide? Une famille presque normale. Une famille presque normale? Ouais, ça, ben, c'est ça, comme ça. Nous autres, là, comme les légendes. Ben quoi, ouais, c'est ça. Comme toi et Francis. Ben, c'est ça, presque normal. Fait que là, mamie, on est live au pub de l'Île-Noire. Tu veux-tu dire allô aux gens? Ben bonjour tout le monde. Ben bonjour. Ben bonjour tout le monde. All right. Ben c'est... merci, mamie, d'avoir répondu. Puis ben, passe une bonne soirée. Et voilà. Yeah. Ah, t'as raccroché. Ben, la ça aussi, c'est un classique. Non, mais ben, t'es bien là, tu te reconnaissais pas. Ben je suis contente de savoir que je suis pas la seule qui est sur le moche à soir. J'ai aimé ça, le bout qu'elle a pas cru. Non, c'est ça. J'ai adoré ça. J'haïs déjà assez ça me présenter, dire c'est moi, Mona, phrase que j'haïs dans la vie. Puis là, elle, c'est une fan, tu vas voir. Ah, c'était cœur, hein? Non, pas toi.
Ah, c'est malade. Cool. Ben, fait que, ben, merci d'être là, mon homme. Merci. Ma grand-mère est bien contente. Et Guillaume, t'as passé une belle semaine? Oui, belle semaine. C'est pas cette semaine, mais c'est il y a deux semaines, je pense. Je suis allé voir de la lutte dans Hochelaga. Oui! Oh! C'est tellement le fun. Je suis un gros fan. Schlag! Non, puis c'était le fun. Là. Et il y a un moment là, qui me fait rêver. Il y avait un lutteur, c'est comme... C'est un monstre. Là. Il est habillé comme un homme des cavernes. Il n'y a pas de dents dans la bouche. Et il fait son combat. Puis quand il termine, il débarque du ring. Et dans la rangée d'en avant, il y a trois enfants de comme 5-6 ans. Ils se virent et ils le crient d'en face. Il y a deux enfants qui sont partis en pleurant. Yeah! C'était mon... Wow. Ah, là, ben, ça, on se demande pourquoi il y a du monde qui rentre dans des écoles avec des guns. J'ai accidentellement, il y a deux semaines aussi, j'ai arbitré un match d'impro dans ma ligue de ma ville natale à Saint-Jean. Tu l'as fait, la clique. Oui, ben oui, ben oui. Oui, tu l'as c'est fait. Vrai, on ouais, ben oui, ben oui, oui. J'ai été arbitré un match spécial et j'ai accidentellement twerké devant deux enfants de 7 ans. J'adore! J'étais comme, les conspires ont raison, j'ai pas d'affaires dans les écoles. Accidentellement. Non, mais il y avait une toune, puis là, il y avait un poteau avec la lumière sur le coin du stage en avant sortant, puis là, j'ai comme, je dansais, puis j'ai twerké un peu, je me suis tourné, il y avait deux jeunes, là, puis j'étais comme, c'est que. Mais ça fait rire, t'imaginer marcher, voir que ton lacet est défait, te pencher, faire comme, oh. En fait, chaque occasion est bonne de me gigoter le trou. De twerker devant des enfants. Ben oui. Cool. C'était où dans Schlag, Bullock? C'est quoi le bar? L'avant-garde. Ah, ben oui, OK. Ben oui, oui, dans un bar. Ah, oui, 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 puis c'est super grand, c'est super. C'est à côté de Action 500. Ouais. Oh oui, OK. De vrai, j'ai vraiment passé une belle soirée. C'était, ben oui, c'est malade. C'était fun d'aller voir de la lutte. Ben ouais. Oui, t'as pas fait de la lutte en septembre aussi, on s'est pas reparlé de ça. Ouais, c'est ben, vrai, oui, c'est ben vrai. J'en ai parlé dans un épisode ultérieur, mais oui, je suis allé animer à Alma, le Almagadon. Oui. Très fort. Almagadon. Très fort. Pas moi qui ai trouvé le nom. Puis, ouais, je me suis fait crisser un coup de poing sa gueule, puis après ça, j'ai donné un coup de chaise. Ah, bravo. Je me suis vengé. Ah, bravo. Puis, tu sais, il me disait, au début, il me disait, comme, faut que tu fasses fort, sinon ça n'a pas de l'air vrai. Puis, avant d'embarquer, ils m'ont dit, il y a comme deux autres lutteurs qui ont fait comme, non, faut pas que tu fasses de toutes tes forces. Fait que, genre, j'étais tellement comme pas sûr que je l'ai chatouillé avec oui, pour vrai, c'est le coup de chaise le moins convaincant. Ah, tu l'as vu? Oui, oui, là. Puis, je dis, voyons, Guillaume, comment? Là. T'es plus fort que ça. Oui, oui, oui. Capable, oui, mais Guillaume, c'est un capable. Doux. Mais moi, les chaises, j'ai tué des cassins en m'assoyant. Cool. Ben, merci d'être là, Boldoc. Ça me fait plaisir. Passez une belle semaine. Belle semaine! horrible son, mais belle semaine. non, mais en fait, j'ai dit belle semaine, mais... Tu sais, je suis comme dans une stretch de beaucoup travailler, beaucoup de routes ouais. Partout. Il y a des choses comme la période des shows de Noël un peu. Fait qu'on voyage tous un peu pas mal pour l'humour. Ouais. Et vendredi soir, Black Friday, je me dis, je paye le spa à mon chum et moi. Je dis, on s'en va à Québec, dans la forêt. Il y a un beau spa, c'est magnifique. On y va là. Puis, force est de constater que le monde ferme pas leur gueule au spa! Un cri de gueule, on se bat! Tabarnak! Boucle-la, idiote! C'est pas intéressant! Ce que tu dis dans le sauna à l'eucalyptus, connasse! Pourquoi tu penses que c'est la reine? Elle ferme pas sa gueule! Ben là, parler de même, je comprends pourquoi toi, tu fermes ta gueule, ose pas, là. Hey, tu pourrais tellement jouer une Karen, là, t'es parfaite! Ouais. Non, mais à un moment donné, j'étais comme... Ils vont arrêter de parler. Deux connes, des anecdotes inintéressantes. Puis un saut de glace. Glacé, là, comme si, là, il n'y avait pas de lendemain, toi. Non, maintenant, c'est pas parce que tu mets de la glace sur toi que tu rajeunis, là. Tu sais, je sais pas le faire. T'en as pas profité. Moi, il me semble que c'est mon gros fun, là, de genre, rentrer dans la conversation de d'autres personnes, non? On était comme complètement à l'autre bord du sauna. Puis à un moment donné, il n'y avait plus de brume. Puis mon chum, il a juste regardé, puis il a fait... Oh mon Dieu! Mon Dieu. Un grand doigt! Wow. C'est comme premier avertissement! Après ça, on est allé dans un bain chaud et je vous jure, il y a du monde qui se sont mis à fourrer devant nous. Ben non! Tu sais comme. Ben non!
Ben, c'est à Québec. C'est un club échangiste, là. À Québec. À Québec. Ça t'est pas arrivé au terminal pendant que tu jouais aussi? Aussi? Ouais. Ah, je pense que le monde est fourré. C'est quoi le problème? Non, non, Pascal, tabarnak. Un peu la nouvelle version de la peau d'ours puis le foyer. Ça t'est arrivé au cinéma aussi? Non, c'est impossible. Ça, c'est Samsir. Ah, oui. Non, mais t'as peut-être pas la même définition de fourré que tout le monde. Parce qu'au terminal, dans un bar d'humour. Non, non, mais je te jure, ils se sont fait sortir, là. Ils ont commencé par se frotter comme des bons cochons, deux bons porcs. Il est assis où, en avant? Juste en avant. Là, les jumeaux, vous vous couchez ensemble, là. Elles sont jumeaux pour de vrai. C'est le vol parce qu'on est l'image. OK, OK, Fiu. Imaginez, tu sais. Ah, ben, ouais. Là, ils sont allés après ça dans les toilettes. Puis là, on a tout entendu. On était comme ben quittés, là. C'est jeudi. Ah, on est au terminal. On fait des blagues fourrées pendant qu'il y a un pauvre humoriste qui fait des jokes en avant. Ouais. C'est quoi le bit qui les a turnés en, tu penses? C'était qui sur scène? Hey, c'est une bonne question. Je pense que c'était Alphée Gagné qui animait. Ah, mais Alphée. Ils ont parti des claps. Comment? Alphée, il donne envie de se passer le doigt. Ben ouais. C'est pas juste. Gagné, c'est pas juste son nom de famille. Hein. C'est tout le monde qui gagne à ILV. Hein. C'est tout le monde. C'est bon. Aïe! J'ai hâte qu'on lui envoie cet extrait-là. Oui. Mais non, mais c'est juste qu'à un moment donné, genre, c'est comme il y a un couple qui. Tu sais, j'étais comme, mais rendu là. Faites-le pour vrai, là. Donnez un show au moins, là, tu sais. J'ai comme... Juste à faire des... Elle a fait... Ben non! OK, il y avait plus... Elle a fait... Dans un spa! C'est une affaire de 60 ans et plus, là, ce bruit-là. Non! Une jeune minette, là. Une jeune minette qui fait... Ben non! Ben... Je te jure, le monde est viré fou. Puis il y a une madame dans un des saunas, un sauna ultra rouge. Là. C'est comme un sauna infrarouge, c'est ça. Ultraviolet et infrarouge, c'est ça. C'est ça. Puis. Ah ben. Bloopers! On va repartir du début. Bloopers! Non, mais. Tu me fais rire. C'est trop smart. Mais c'était dans un sauna infrarouge en bois, puis on est rentré dedans, puis c'est comme un petit... Une hutte. C'est un petit, le petit sauna qui est pas le petit... Une hutte? Non, mais l'affaire, t'avais fait ta chronique là-dessus, le Titanic, là, voyons. Un sous-marin. Sous-marin en bois. C'est tout petit. Je comprends rien, tabarnak. C'est vrai, j'avais parlé. C'est un sauna infrarouge. Qui a l'air comme d'un petit sous-marin. Puis là, tu rentres là-dedans, puis là, on était une couple, puis on respire tranquillement. Puis il y a une madame que son énergie est venue chier la détente de tout le monde. Elle est rentrée, là, et qu'elle était fâchée de ne pas s'allonger. Là, elle s'est placée sa serviette. Elle s'est assise de même. Puis là, elle checkait qui s'en va. Qui s'en va? Puis à un moment donné, il y a une personne qui est sortie. À sprinter, à t'aller s'allonger. Voyons! J'étais comme pas. Personne se détend en ce moment. J'étais comme, voyons, c'est moi qui. Ben c'est elle qui en avait le plus besoin. Ben oui, tu sais. Mais probablement que sa journée au spa, c'est un cadeau. Là. C'est le monde de son talent. C'est ses amis qui ont fait comme. Hello, là, tu oui. Là, Lynn, le comité social, t'a payé un bon spa. Oui, c'est ça. Tu vas aller au spa. C'était mon expérience au spa. Puis j'étais comme, oh, ben, regarde. Bon, ben, cool. Mais c'est pas une affaire de gang, la relaxation. Là. Les spas, tout ça, ça se fait juste. Quand tu peux en avoir chez vous, je sais que c'est pas accessible, mais moi, je me relaxerai pas tant que je suis pas solvable, tabarnak. J'irai pas là en gang avec d'autres humains, dont la calisse de Fonché qui veut s'étendre dans la vapeur. Est-ce que ça me brûle? Oui. Qu'est-ce que je suis brûlée? Oui. Fait que c'est ça. Qui est cool. Ben, merci d'être là. Parce que... Ben, là, finalement, mon chum, on a fait l'amour dans le spa. Chaud. Ah, ouais. C'est Alphée Gagné dans le coin du spa. Cool. Chaud. Mag, passe une belle semaine. Oui, hey, moi, ça va super bien. En fait, moi, j'ai pleuré toute la semaine. Mais outre ça, je suis passée de l'autre bord. Le grand voyage. Non, je suis pas un grand spectre. Tu charges les taxes?
Oui, ça depuis longtemps. Non, c'est plus... Bonne et... joke de travailleur autonome, là, bien joué. Oui, c'est bon, bravo. Un applaudissement, les gens. All right! Non, mais il se passe de quoi, ce moment-là, je trouve? Ben non, mais moi, je paye déjà des taxes parce que je suis trop angoissée taxes, de si ouais. jamais, à un moment donné, il faut que je paye. Fait que c'est oh, oui, je fais vrai. Genre 8 000 par année. Là, j'envoie genre 12 piastres de taxes par trimestre. Puis je suis comme, au cas où, à un moment donné, je fasse de l'argent. Mais bref. Non, moi, il y a une nouvelle arrivée dans ma maison. OK. Oh. Okay. Un aspirateur Dyson avec un laser à terre. Ouh! Le laser vert! Oui. Ah oui, moi aussi! Celui qui dit quand il y a de la poussière. Oui, attends, fait que t'es en train de me dire que c'est ton salaire annuel dans une balayeuse. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai acheté. J'ai dit que c'est rentré dedans ma maison. C'est ça. Par l'entremise de quelqu'un d'autre qui habite chez moi, mon conjoint. Mais... Ah, c'est une belle chose quand même. Ouais. Mais c'est incroyable. Là, ouais, je savais que c'était le fun, ouais. Mais là, c'est... Ça, avec ta balayeuse, que tu t'es frisé les belle boucle. Oui, elle fait tout du balayeur. Elle fait tout le nettoyeur à tapis, puis zrouille. Ouais. Ah oui. C'est anti-tangle. C'est la V15. C'est la V15. C'est la V15. Il y a rien qui suce comme la V15. C'est fascinant. C'est fascinant pour vrai. Je te le jure. Ça ressemble à tous les objets que je voulais. Tu sais, mettons, ça ressemble à un Vitamix. Oui. Je voulais un Vitamix. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que je pourrais mettre des légumes dans la dedans puis m'arranger. Tu peux tout faire avec un Vitamix. Tout faire. Mais j'aime tellement ça. Ça n'a pas de sens. Elle fait un laser. Quand elle arrête, genre, elle fait comme les lasers dans Star Wars quand ils se rétractent, genre. Oui. Oui. Genre, ce bruit-là, je suis addict, là, c'est fou. Puis le bout que j'aime le plus, c'est qu'il sert tellement à rien. Si on s'en torche, là, mais j'aime tellement ça. C'est que dans le laser, là, je vois la saleté. Là, je passe, là, il n'y a plus de saleté. Ah, et ça me bon. Dit le nombre de sortes de particules que j'ai amassées dans un grand. Ah non, les comptes par millions, là. Par millions. Il y a un écran interactif sur le bout. Voyons. C'est beau. Tu peux mettre ta poudre, là, puis elle te dit s'il y a du fantasme. Oui. C'est dommage que je consomme plus, esti. Bravo, je suis fier de toi. Attends, c'est comme les beaux souvenirs. Mais ça, c'est vraiment le passage à l'âge adulte. Vraiment, ouais. Je trouve que c'est le fun, tu sais, parce que je vais avoir, dans 3 mois exactement, j'aurai 30 ans. Oui, c'est ça. Puis je trouve que comme, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans. Oui. L'acquisition de la Dyson, l'âge qui passe, les particules que je compte par million. C'est beau, là, c'est ça, de Daniel Bélanger. Oui, mais j'adore ça. Alors, toute la semaine, j'ai aspiré. Prochaine étape, genre une coupe carrée, tes cheveux au burn. Ah oui. Une mèche bourgogne. Une mèche bourgogne. Tu vas péter des coches au spa. Ah oui, ça va être moi. Tu vas dire à tout le monde, ma belle. Ouais. Hey, ma belle. Hey, ma belle. Excuse parce que ma belle. Ma belle. Excuse-moi. Tu me donneras. Ah oui, wash, oui. Wash. Ouais, ça va être moi, ça. Bientôt, là. Ouais, parfait. Cool, ben on te je suis fier de toi. Je suis en plein là-dedans. Moi, je vais avoir 30 en avril. Et là, je viens de déménager. Ça fera partie d'ailleurs de ce qui m'est arrivé cette semaine. Mais je viens de déménager. Puis là, je suis là-dedans, la Dyson. Oui. Là, j'ai le KitchenAid, mais pas l'ordinaire. Celui qui a une poignée avec un gros bol. Wow. En fais-tu des biscuits à bonne femme? Quelle couleur? Noir. Oh, non, mais là, on est deux homosexuels ensemble. Fait que tout est bois pis noir. Oh, monsieur! Wow. Un appart de monsieur! C'est un homosexuel. Ça manque de couleur. Oui, c'est ça. On est un couple homoparental avec pas d'enfants, mais je suis là-dedans, c'est tellement le fun. Tout ça, là, ces achats d'adultes-là, là, pour vrai, ça se peut-tu revenir bander du Best Buy? C'est pas normal, mais je suis un peu croquant dans mes grands culottes. Je suis même, ça, c'est une belle balayeuse. Mais moi, des fois, quand je veux me gâter, je suis comme... Je vais aller passer l'après-midi au Canadian Tire. Mais genre, peut-être sur le stream, genre. Mais sachez des bonnes poils. Oui! Puis Ben, ça, c'est genre... Je suis fan, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai reçu une machine à pain aussi. Ah, mon Dieu, arrête! Je suis bien, là. J'ai commencé à m'acheter des canettes de liqueur, des caisses de 24 à la pisserie, là. Je suis rendu là. Niveau, là. Ouais, puis parce que là, j'ai une cave dans mon nouvel appart. Fait que dans la dépense, au top de la cave, au top des marches, j'ai toutes mes cannes. J'ai mes Pepsi, j'ai mes cannes de tomates. J'ai commencé à faire mon épicerie comme mes parents le faisaient. Puis ça sent la fin, tout le monde. Hey,
Je meurs bientôt. Bientôt, genre, sérieux, ce côte-là sac le camp, puis t'as juste des wife beaters. Ouais. Des camisoles, un paquet d'exportés là, puis une tache de moutarde. C'est ça. Juste ça. Ouais, oh, j'aime ça. Que je suis bien, j'adore ça. Ouais, t'as-tu passé une belle semaine, Mona? Ouais, il m'est arrivé une couple d'affaires. Ben, avant le show, on a parlé un peu d'anxiété sociale, oui, Pascal, et oui, j'en ai fait oui. Pas plus tard qu'il y a quelques heures. Okay. Ah ouais? Parce que je suis depuis il y a quelques heures fier membre Costco. Parlant, wow! Let's go! D'être un adulte. Let's go! Ouais, ouais, ouais. T'achètes ton membership sur Internet, puis là, tu y vas, ils te font ta carte, tu magasines. Fait que j'ai fait ça aujourd'hui sur un coup de tête, puis on parle fil avec nos métiers de travailleur autonome, on sait pas quel jockey. Voisin dimanche dans Villeray-Bois. Ah non, non, ah, non, non. Ah, si, non, j'ai non, failli non, tuer, non, ça a non, pris non. 5 minutes. Moi, je tannais des humains dans la vie, il y en a trop de ça, je trouve. Puis là, ça a pris 5 minutes, j'étais plus gêné, j'étais avec ma chum Virge. En 5 minutes, j'étais plus gêné, c'était à voix haute, là. Il y a une madame qui m'accroche avec son panier, je dis, ben oui, vous êtes deux larges, toi, ta chum, dans l'allée. Voyons, deux de larges dans une allée. Je l'ai comme chicané, là, tu sais. Ben, comme, je me cachais pas, elle me fait dedans. Je dis, ben c'est sûr, ils sont deux de larges, les tabarnak. Ils m'entendent, là. Aïe, aïe. Ah non, je m'en crissais. Ben, ouais. Ah oui, c'était effrayant. Puis là, on est allé d'un fromage, il y avait une émeute d'un fromage, ça n'arrivait pas à passer, c'était comme le trafic de Los Angeles dans l'allée des produits laitiers. Puis j'étais même avec mon panier, je dis, ben c'est sûr, ça a la tête au cheese. Ce monde-là. T'en as rien que la tête au fromage. Mets-toi à gauche, toi là. J'étais fâché. Mais je vais y retourner. C'était thérapeutique. Sinon... Mais sinon, je déménage, je vous l'ai dit. Et j'ai pas gardé grand-chose. Là. C'est ma vie d'adulte. Là. Fait que, l'appart que j'avais, c'était les mêmes stocks que je traînais depuis que j'étais en appart. Ouais, ouais. Mm-hmm. C'était... C'est pas regardable. Fait que je repars en eux, tu sais, puis on a juste déménagé 3 choses, moi et mon chum. OK. Puis mon chum est comme, on va engager quelqu'un, puis je suis genre, ben non, 3 affaires, on est capable. Et on a été capable. Par contre, la dernière chose qu'on a descendue, c'était la base de lit. C'est une genre de grand crise de base, d'une planche de bois qui pèse une tonne, tu sais. OK. Et ça va bien. Je déménage en bas, tu sais, fait qu'on passe par en arrière l'escalier, droit, on descend dans la ruelle et on monte nos affaires en bas après ça, au rez-de-chaussée. La base de lit, ça va bien. À la fin, il la dépose. Tu sais, on a chacun un coin. Puis il dépose son coin un peu trop vite, ce qui fait que ça me pogne le pied ici à gauche. Bien. J'ai l'impression que je me suis cassé l'orteil. Ah. Je lâche un petit cri de mort. Mon chum me dit, t'es-tu correct? Genre, j'ai le front qui sue. J'ai le teint vert blanc. Je dis, oui, ça va, parce que l'enfant de ma voisine était dans la ruelle, jouait au ballon. Fait que je gardais une face de monsieur qui a pas mal. Tabarnak, je profite. Fait que, je dis rien. C'est l'entwerk, hein? Devant des enfants. Avec un fond de mascara de la veille. L'entwerké par accident. On rentre la base de lit. Je dis, dépose-la dans la cuisine tout de suite. Ça va pas du tout. Je suis blanc, j'ai chaud, j'enlève mon soulier et j'ai le bas imbibé de sang. Non. Ce qui s'est passé, c'est que la base de lit, quand il l'a déposé trop vite, mon coin inférieur de mon bout a pogné le devant de mon soulier et ça a fait un genre d'effet de levier. Un effet de levier qui a arraché complètement l'ongle de mon gros orteil. En ce moment même, dans mon soulier, j'ai un orteil mou, lisse, qui pulse. J'ai genre la tête de Sylvain Larocque dans ma botte en ce moment. Ah non, ça, on souhaite ça à personne. Hey, fait que j'ai ça, j'ai cette une blessure de gars de construction que je pensais jamais avoir de ma vie, puis j'ai appelé ma mère, puis on peut pas aller à l'hôpital pour ça, parce non, que ça va repousser. C'est bénin. Bah ben oui, mais là, j'avais ça, c'est-tu qui flappait. Mais ouais. Mon ongle pointait vers le ciel. Ah, ça m'écœure. Wesh, ben je le sais que ça t'écœure, ça m'écœure aussi. J'en mais mon ça chum. T'a permis de poser tes tablettes dans le bon ordre, ouais. Par exemple. J'avais un écart. J'avais un écart. Ah, tout est à l'écart chez nous. Mais il m'est arrivé ça, fait que ceux qui viennent me voir en show de 17 le prochain mois, ben, je l'ai fait en running shoe. Je suis habillé en madame avec des running shoes. Fait que c'est une belle semaine. Cool! Moi, ben. Je vais pas te faire peur avec ça, mais j'ai déjà perdu mes 2 ongles de gros orteils, puis il y en a un qu'il y a comme un bout qui ne veut plus s'accrocher. Fait qu'il est tout le temps lousse. Pardonnez-moi! Oui. Comme une avant, couronne j'espère. Dentaire? Merci, merci. Ah non, hey, mais... On s'ajoute sur Facebook. Hein. On en jase. J'envoie des photos. Mais comment tu l'as fait? C'était-tu arraché? Y a-tu fallu que tu prodigues les premiers soins toi-même? Oui, en fait, c'est complètement ridicule. C'était sur un tournage d'un vidéoclip en 2016. Pour toutes les femmes savent danser. Le gagnant de la voix, le Basinet, le Bizinet, Basinet. Bobby. Kevin. Bobby Basinet. Kevin ou Bobby? Kevin. Okay. Puis il fallait courir dans une forêt, mais clairement, il a plu. Puis il me faisait courir avec des petites ballerines et qui étaient trop petites pour moi.
dans de la boîte, j'ai calissé le camp. On a la shot de moi qui débarque. Puis je me suis tellement fait mal aux orteils à force de courir dans ces petits calices de souliers-là. Mes deux ongles sont devenus noirs, sont tombés. Hein? OK, mais ils n'ont pas arraché sur non, le champ. Non, ils n'ont pas arraché, mais ils ont tombé. Ils ont tellement eu mal, j'avais tellement mal. Tu sais, là... Ça vous fait pas capoter, vous autres? Ben, je pense qu'ils sont plus dégoûtés. Moi, je regrette d'avoir raconté ça parce que tout le monde est dégoûté. Ben, faut que je l'extériorise, si boire, oui, là, ben non, mais non, mais je suis d'accord, je comprends. Puis là, depuis mon ongle droit, l'espèce comme de corps en haut à droite, il veut, il y a pas de mordant, il pogne pas. Juste, fait que je le coupe, mais il repogne pas. Fait que, ben, tant qu'à aller au Canadien Tire non-stop, tu pourrais t'acheter, il y a du PL100, ça, c'est de la colle industrielle. Une petite goutte, c'est réglé, je te le dis. Pas je suis un génie de la construction. Oui. Ça m'écœure. Mag? Ben, merci d'avoir été là. Merci. Non. t'es venu nous jaser d'algorithme. Oui, mais là, je viens vous jaser d'algorithme ou me conforter par rapport à mon propre algorithme, je sais pas, OK? OK. Ça fait une couple de semaines que j'ai beau faire les choses sainement sur mon téléphone, dès que j'ouvre mon téléphone, c'est comme si je regardais de la porn tellement que j'ai des publicités de lingerie. Ah oui? Et ah oui? Oui? Ça... Moi aussi? Oui, mais pour vrai, toi aussi est l'affaire que j'aimerais le plus entendre lors de cette chronique parce que je me sens vraiment toute seule. Honnêtement, je suis rendue gênée de prendre mes textos, de check-in story, dans le métro parce qu'il y a tout le temps une fille qui est comme « the best bra for the small boobs ». For the small boobs, oui. The best bra for the small boobs. Mais il y a aussi, il m'offre aussi... Les... Non, mais il m'offre aussi pour les big boobs. Puis là, je suis comme, je suis pas concernée là-dedans. Il y a clairement une erreur à quelque part. Mais je suis vraiment très gênée de tout ça parce que là, c'est ça, j'ai juste des culs, des totons tout le temps. Oh, oui. C'est super gênant. Là. Moi, je suis une jeune professionnelle, j'essaie de faire bonne figure. Puis là, je paye mes taxes. Là, c'est ça, tu sais, je suis une bonne citoyenne, mais mon cellulaire, clairement, pense que je suis une pimpe. C'est l'enfer. Et là, cette semaine, c'est allé trop loin. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je voulais savoir si quelqu'un dans la salle a la même publicité que moi. Mais j'ai reçu beaucoup de fois, là, mettons, genre 13 fois dans la semaine, la même publicité d'une couverture pour le lit. Ah ouais, c'est quoi? Hein? Ça, c'est la voix de quelqu'un que c'est à cause de la porn, cet algorithme. Ouais, non, mais là, j'ai entendu. Mais là, ouais. OK, c'est ça. la fameuse couverte qui est brandée pour si t'as des animaux, mais dans le fond, c'est pour si je squirt. Ah! Ah, OK, c'est... Guillaume Boldoc, okay, qui sait, genre... Imbibante, là, imperméable. Oui, tu sais, la publicité, c'est genre « We're gonna tell it's for the dog ». C'est une couverte d'incontinence qu'ils ont rebrandé. Mais j'aimerais l'avoir, parce qu'en tant que Fonsum, qui fait beaucoup de haute pression, je me réveille toujours en sueur. Le fait de dormir est trop pour moi, je prendrais ça... chaque soir, j'étale des sacs à vidange sur mon lit. C'est effrayant. Un slip and slide, ta première date. Première date avec ton chum, le bout de t'étale des déchets. Là. Je le fais pas pour vrai, là, mais la malade. Première fois où il me voit suer en dormant, il est comme OK, oui, même l'effort de dormir, c'est trop pour lui. Il comprend pourquoi sa date de marche, j'ai dit non, on va aller s'asseoir. Là. Non. Il lève plus fatigué qu'écouté. Ouais. Je suis brûlé, j'ai dormi toute la nuit. Brûlé. Mais c'est drôle, ça. Ben oui, là, je suis pognée avec ça. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai tapé à un moment donné? Qu'est-ce que j'ai dit à quoi? Quel cookie ai-je accepté de donner pour qu'on pense que je squirt à tout vent, tu sais? Je pense que c'est parce que t'as fait trop de podcasts. Comment tu t'es paré? Fait qu'on l'a dit tellement souvent dans des podcasts que c'est comme ton sel le poignet. Ça se peut que ce soit ça. Même ma soirée ici à l'île Noire est comment tu t'es paré, Ross et compagnie. C'est peut-être ça dans c'est peut-être ça. Ça se peut. Mais moi, j'aimais ça. Les algorithmes au début, quand les algorithmes commençaient, là, je faisais de la drague. Fait que là, mon magasinage. De drague, puis mon magasinage de gars, l'algorithme était fourré. Fait que je suis plein d'avoir funné, mais à cette heure, l'algorithme a compris c'est quoi des drag queens. Fait que là, ils ont catché que je suis un homme homosexuel, et là, je ne reçois que des gars en bobette. Que ça. Que ça. Mais ça me gêne pas, moi. Je suis comme, pour vrai, tant qu'elle me l'offrir, c'est un plateau d'argent, je me rincerai l'œil. Oui, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Parce que moi, je pense que mon algorithme, il comprend mieux ma sexualité que moi, à un certain point. Moi, mon Instagram est plein de filles tatouées. Mm.
Puis si je pouvais, tu sais, je suis très bisexuelle, là, ouais. Et si je pouvais avoir une blonde, je souhaiterais qu'elle soit exactement de même. Mais l'affaire qui me fascine, c'est que je ne l'ai jamais dit nulle part, ça. Mmh. Non, mais comme mon plus grand souhait. Ouais, mais ton téléphone, c'est sur quoi tu passes du temps de donner aussi, là. Non, mais c'est vrai, il voit cette vidéo-là, là, il voit qu'elle est tout. OK, Roxane Bruno en boulain. Non, go, 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 go. C'est juste dans ton dans ta barre de recherche de Pornhub, c'est juste comme young hot girl but just don't tell anyone. Step mom at the tattoo parlor. Mais je comprends ça, mais je me donne pas dans mon cellulaire. Ah, tu te donnes quel outil tu utilises pour te donner? Je me donne pas. Je me donne le pas magazine Sears! Le Publisac! Oui. Ben, c'est vrai que des spéciaux, une diséconomie, c'est bandant. On va se le dire. Mais Black Friday et tabarouette, c'est sur ça que t'es vidé. Oui, c'est ça. Je les mais je ne regarde pas de porn. Hein? Mais tu regardes sur ton ordi. Mais sur ton ordi? Non, c'est ça. Tu regardes pas de porn? Vraiment, sur ta Dyson, au moins. Non, mais ça, c'est de la porn en soi. J'ai l'impression qu'on est tous Thomas Levac. Tu regardes pas de porn? Voyons donc. Voyons donc, tabarnak. Tu veux pas ce que tu manques? Pas capote. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est ça. Le truc, c'est d'avoir un coude. Ouais. C'est drôle. Fait que c'est ça, je comprends pas où les données passent. Mais attends, tu te crosses à Capella, genre? Tu te crosses pas à Capella? On est vraiment couverts. Je me crosse à Capella, là. Depuis que j'ai fait des podcasts, on m'a donné énormément de jouets. Alors, ouais. Là, je me crosse avec l'aide d'un micro. Ouais. Mais c'est pas mal ça. Là. Mettons, côté visuel, là, je m'arrange un peu tout seul là, avec ça. Fait que je comprends pas. Elle cherche la balayeuse. C'est ça. J'ai mal... Je suis comme, oh my God, Dyson, call me daddy. Yeah. Call me daddy. Call me daddy. Ouais, oui, ben, oui, appelle-moi papa. Oui, Magali. Empowerment. Ah oui, fait que... Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça à Capella. Ouais, moi tout. J'essaie de penser, mais là, comment ça arrive? Et tu t'installes, là, c'est une cérémonie. Tu mais moi, je dirais que... T'allumes des chandelles. T'allumes combien de chandelles? Le soir de pleine lune. Ouais. Des chandelles qui sentent la vagin qui n'est pas trop. Oui, clairement. Moi, dès que je suis à l'horizontale, puis que... Dès que je suis à l'horizontale! Fait que, mettons, tu t'en vas te faire masser, ça se peut que ça soit gênant. Non, parce que sur le ventre de même, ça me tente moins en position plein pied. Okay, mais mettons, comprends. À l'horizontale, sur le dos... C'est pour ça qu'il veut te traîner une couverte, parce que je l'ai ma soeur. Dans un sauna, parfait. Mettons, sur le dos, à l'horizontale, là, après ça, je suis comme, ah, ben j'ai rien à faire. Fait que là, je vais prendre mes jouets que Steph Vandelac, puis à un moment donné... Ouais. On en a-tu des hosties de jouets donnés par d'autres humoristes? J'en ai, là, des affaires. C'est bizarre. Ouais, puis Thomas, il m'a dit, je trouve ça bizarre que les humoristes les prennent, parce que c'est sûr, vous pensez à nous. En fait. Puis je suis comme, ben non, Tom. Non, dans non. Aucun, dans aucune situation... Il y aurait tellement aimé ça que tu réponds oui. Ben oui, mais dans quelle situation je suis capable de garder une érection en pensant à Thomas Levac? Là, ah! Là. Mais ben, non, c'est drôle. Pourquoi les, genre, on devrait tellement commanditer nos podcasts par genre de la santé mentale? Ben, quoi, Voici un certificat pour une consultation. Ben, je te dirais que moi, je suis contente. Ma soirée à Chambly que j'ai partie, on est commandité par une librairie. Ouais. C'est beau. Je trouve que c'est très moi. Ouais. La femme je ne savais de pas qu'il y avait des jouets sexuels dans la librairie. Oui, c'est ça. J'essaie de casser le changement de paradigme et tout. Puis tu t'es-tu... Excuse-moi, j'en reviens là-dessus. Oui, on revient au donage. Ça me fascine. T'es-tu toujours crossé, pas de point? Toujours, genre? Ben, la plupart du temps, là. Okay. T'as pas connu Bel Essa? J'imagine juste te croiser avec de la porn de manga, mais que t'es comme... comme le dessin animé. Super compliqué. T'as les doigts tout mouillés, ça colle les bras. T'as un cauchemar, toi, dans le fond. J'ai pas connu Bel Essa. Mona, elle a parlé de Bel Essa. Ouais. J'aime pas ça, Bel Essa. Comment ça? Explique-moi. Je peux aller? Je me sens pas représentée. C'est quoi, Bel Essa? C'est de la porn catered plus pour la femme. Ouais. Okay. C'est-à-dire que les femmes se font mieux traiter que sur Pornhub, mettons. Là, okay. Okay. Mais c'est ça, t'as pas ça s'avère, malheureusement, puis là, c'est clairement quelque chose qui fait en sorte qu'on est brisé. Puis là, faudrait pas que je dise ça, mais c'est pas la porn qu'on veut. On dirait qu'on est conditionné à une autre sorte de porn. Fait que là, de faire l'effort, de changer sa mentalité pour se crosser sur autre chose, il y a trop d'étapes. Puis déjà que je fais même pas l'étape d'allumer mon téléphone quand je me crosse, pense que ça va changer de paradigme. Je comprends. Ouais. Ouais, non, et là, ton algorithme va être fucked up. Ouais, là, après ce podcast-là, ça va être lit. mais vous autres, vous avez rien dans vos algorithmes, genre bizarre? Ben, longtemps, moi, j'ai eu l'espèce d'affaires bizarres de
de pour femmes là, de pisser dans le camping. Dans le bois? Oui. L'entonnoir. L'entonnoir, oui. Ouais, ouais. Puis j'haïs le camping, j'en fais pas. Fait que je sais pas pourquoi je me suis trouvée. Mais on est humoriste, Pascal, il faut qu'on pisse debout. Faut apprendre. Faut se conditionner. C'est vrai, c'est dans ce bon monde de fou. Mais oui, faut qu'on pisse debout. Si on veut une chance, c'est vrai. T'as raison. Mais sinon, non, on dirait que j'ai juste des pubs d'assurance, ça me fait peur. Tu vas mourir bientôt, Pascal. Pourquoi j'ai juste ça? Ton algorithme, c'est quelque chose. Non, mais c'est parce que, mettons, mes algorithmes, c'est vraiment des orangs-outans qui font des actions d'humains. Oui, ça fait beaucoup rire, ça. Ça me fait rire, j'adore ça. Ils construisent des piscines dans l'Amazonie. Ouais, moi, c'est ça, pas mal. Les algorithmes, ils s'adaptent rapidement, quand même. Moi, ça fait une semaine et demie, j'ai commencé à magasiner pour un chien. Je m'en vais tourner, ça me prend un... J'ai commencé à checker pour un chien. On a envie de ça, oui. Mon chum. Puis là, j'ai eu mal de checker des corgis une fois. Là. Oui. Et là, je n'ai que des corgis, mur à mur. Des accessoires pour les corgis. Ben oui. Des lits pour les corgis. Il y a des trucs spécifiques à cette race de chien-là. Là, c'est que ça. Mais il s'adapte rapidement. Allez-vous adopter un corgi, finalement? Ou... Je sais plus. OK. Je sais plus. Mais parce que j'ai une amie là, qui connaît quelqu'un qui a deux Morky Poo. Puis ils sont pas opérés. Des Morky Poo, c'est comme des Yorkshire terriers, soit de gros. OK. Oh mon Dieu, oui! OK, tu veux vraiment un chien pour homosexuel, là, c'est ça que tu veux? Ouais, ben Michel Giroir est mort, c'est moi le prochain, tabarnak. mais ils sont trop petits. Ceux-là sont trop petits parce que les chats n'en feront qu'une bouchée. J'ai quand même deux félins d'une trentaine de livres qui vont l'assassiner. Ils vont le déchiqueter. Avec le 5 doigts. Ils vont le déchiqueter, mais je regarde ça. Un corgi, je serais pas contre. C'est assez chunky. C'est cute, un corgi. C'est cute, des petites fesses. Je suis là-dedans. Parfait. Un Rottweiler, là. C'est ça qui est très malade, c'est que je suis en tournée, puis avant le show en drague, je vais faire pisser mon asti de chien, ça. Deux gros Rottweilers avec des colliers en pic. Ça serait... Mais des appels menaces, puis dans le genre, quoi de full anti-personnage, ça serait malade. C'est bon, ça. Cool. C'est bon. T'avais-tu autre chose à dire sur l'algorithme, mon ami Marc? Ben non, j'aimerais juste... je souhaite que mon algorithme m'entende présentement, puis qu'il arrête. Parfait. C'est tout. Parfait. Magali, ça va ça? Est-ce que tu te sens pas validé? C'est bon. Parfait. T'es venu, Mona, t'es venu nous parler d'affaires terribles. Des affaires terribles. J'ai envie qu'on parle de... Puis ça sera en mode discussion ouverte. J'ai envie Je me suis inspiré de Boldoc un peu pour mon sujet. J'ai envie qu'on parle d'intimidation. Non, mais c'est que... Tu sais, quand on était jeune, on a tous fait des affaires terribles. Tu sais, les affaires que tu fais de l'insomnie ou de l'anxiété puis tu te rappelles d'une affaire spécifique de quand tu étais jeune que c'est tellement loin de ta personnalité, c'est tellement loin de toi que tu t'en rappelles que tu as fait ça. Genre, est-ce que tu as déjà intimidé quelqu'un? Est-ce que c'est une affaire terrible, une affaire gênante? Il y en a qui nous reviennent des fois, puis ça me fait capoter. Puis je parlais de ça avec ma chum dans le char, justement, puis j'étais comme... Hostie, tu sais, ce qui me revient souvent, là, j'ai 30 ans, mais je me souviens qu'au primaire, à 5 ans, j'ai donné un coup de poing à une fille. Et c'est terrible, là. C'est terrible. Mais on était en campagne, on n'avait pas les mêmes barèmes de société qu'en ville, là, à l'époque. Mais, tu sais, elle m'intimidait, en quelque sorte. Mais OK, c'est ça, pas juste... Non, mais elle me gossait verbalement. Ah, ouais. Ça méritait, y a rien qui méritait un coup de poing. Je suis pas une batailleuse, mais je me souviens que je donnais un coup à une fille, alors que c'est tellement... On frappe pas une fille, tu sais. Puis ça me revient souvent, puis je suis comme la pauvre Valérie, comment qu'elle va, tu sais. Elle s'en est surmise. Je fais ce crissement fort. Je suis fucking fort. Valérie. Non, mais ouais, mais c'est ça, il y a ça qui me revient. Il y a un paquet d'affaires qui me reviennent. Ouais, ouais. C'est un gros comme âge, là. On teste la limite, là. Ben, 5 ans. Ouais, ouais, c'est ça, là. Mais au moins, sur ce souvenir-là, tu as quand même eu le contrôle sur quelque chose. T'sais, parce que moi, mettons, l'autre fois, je me suis réveillée parce que je me suis rappelée qu'en secondaire 2, dans mon cours d'art dramatique, à un moment donné, il y avait des gens dans ma classe qui étaient comme ah, wesh, une grosse culotte. Ah, wesh. Ah, puis là, il y avait une grosse culotte par terre. Puis là, moi, j'ai vu la culotte, puis j'ai fait oh my god, c'est la culotte à ma mère. J'ai reconnu la culotte qui devait avoir pogné dans ma statique de jeans. Puis moi, à place de jouer la game, de faire « Ah, wesh, une culotte », puis de pas y toucher, moi, j'ai accouru vers la pour culotte. La ramasser? Oui. Ah non, t'as foiré ton secondaire là-dessus. Là. C'est fini. Ça, mettons, tu sais, ça, j'ai tout perdu le contrôle de A à Z, mettons. Ouais, ouais, clairement. Moi, toi, t'as eu l'emprise sur « Il donne un coup de poing », tu sais. Oui, c'est sûr. Je me souviens que... Il y a, au primaire toujours, j'avais 8 ans.
J'ai été à la salle de bain pendant un cours. J'ai pas eu le temps de me rendre, je me suis pissé dessus. Fait que là, j'avais des jeans pas low, des pisses. Et là, je suis parti de la salle de bain, je me souviens précisément, c'était une école primaire à Saint-Mathias. En plus, je me souviens des corridors qui ont l'air. Je suis parti de la salle de bain en courant. Mais je courais, j'ai passé à côté du concierge qui a dit « ça va, on court pas ». Puis j'étais comme... je courais pour ma vie, je suis rentré dans la classe pendant que tout le monde était là, j'ai pogné mes shorts d'éduc dans mon sac, je suis ressorti, mais j'étais comme tout le monde a vu ma piste. Puis là, je suis revenu avec des shorts d'éduc après en me disant tout le monde y voit que du feu, j'ai réussi, tabarnak. Mais genre, la prof, elle parle au monde, puis je rentre en mode genre. Oui, on s'en donne bien la piste. Il y a ça. Il y a beaucoup de pistes et de cac là, qui me réveillent la nuit. Là. Ma mère est avec sa sœur chez nous. Genre, oh. T'étais où, Alexandre? Oh, j'ai eu mes premières règles. Ouais. Enfin, femme! C'est la genèse. Ouais, je me souviens que Asti, c'est fucked up. Je peux pas croire que je me livre. Mais ma mère était, elle avait reçu sa sœur à la maison. Il était en haut. Moi, je descends, je joue. Il y a mon frère qui est là puis mon cousin. Ils sont là aussi. Puis à un moment donné, je suis ailleurs, je joue sur autre chose et il y a une boulette de cax qui me sort du cul. OK? Et une boulette de cax. Mais tu sais, des fois, là, genre. Hey, c'est la plus non, mais le type ferme et propre. Là, genre, t'as pas à t'essuyer 50 fois. Mais non, mais j'ai une boulette qui sort et je me souviens que je l'ai comme kické de mon pantalon. Non. Oui, je me souviens qu'elle est tombée puis j'étais comme, je vais la ramasser plus tard et je sais que je l'ai jamais ramassée. Je me demande qui, dans la maison à Saint-Mathias, a trouvé ma boulette de cax. C'est ça me fait réveiller fréquemment. Ah non, ça me met mal, je vous jure. C'est crampant. Hein? Oh, mais qu'est-ce que voir? T'étais où? Hein? T'étais où quand c'est arrivé? À Saint-Mathias, sur Richelieu, dans avec le sous-sol. Au 3 rue Bérard. Dans le premier show de Louis-José Houd, il raconte qu'il a été... Il a travaillé animateur. Dans une garderie et il raconte cette anecdote-là, mais du point de vue de l'animateur. OK, man. C'était pas d'une garderie, c'était chez nous. Non, puis... OK. Ouais, j'ai vraiment lâché une boule. Ça aurait été tellement beau. Quel beau lien. Ça aurait été bon, ouais, vraiment. Est-ce que tu lâches les enfants de la télé? Ça m'a fait allumer une petite boulette aussi. Boulette. Boulettes aussi. Boulettes. Bon, mon Dieu, on n'invente rien. C'est fou comme c'est tout bon, se répète. Bon. vous, en avez-vous, ouais, avez-vous intimidé? Oui, avez-vous chié? Ce qui me vient en tête, c'est un moment donné, c'était après le dîner, puis on était en cours de géographie, et genre, un moment donné, mal de cœur. Ça arrive. Là, je le retiens, mais comme... Loser! Non, c'est ça. Non. Puis à un moment donné, j'ai comme trop attendu, j'essayais de sortir du cours. Non, j'essayais de me rendre à la poubelle. Oh non! Je me suis pas rendu. Puis t'as juste le baveux dans le fond qui a fait comme... Ouais, Bulldog, ça a mangé du spag à midi! On a vu toi aussi ta boulette, ça. Ouais, des boulettes, ouais. Une boulette de blague. Ben, avez-vous mais des... là, c'est pas toi l'intimidateur? Non, mais non, c'est moi qui t'ai intimidé. Moi, je me souviens... Tu sais, moi, j'ai été intimidé beaucoup, mais je me souviens que... Je l'ai refait en retour aussi. Je l'ai refait vivre en retour à d'autres au secondaire. Puis à un moment donné, j'ai comme allumé en marchant vers chez nous. Que genre, c'était la calisse de merde. Ouais. Le gars que j'intimidais, il était comme on restait dans la même rue. Là, fait qu'il marchait en arrière de moi. Fait que j'ai juste arrêté de marcher. Je l'ai attendu. Hey, lui, il devait capoter. J'ai juste fait comme hey, check. C'est fini, là. Je vais arrêter de t'écœurer, ça n'a pas de sens. Bon, regarde, c'est fin. Wow! Bon, on l'applaudit, est attachant. Ça, je l'ai poussé devant un autobus. Ben, moi, j'ai été vraiment une vraie petite bitch. Non, non mais nous autres, moi, je sais, au primaire, on a été une petite gang de filles que, à tous les jours de la semaine, on intimidait une des autres filles. Puis on l'excluait, puis là, c'était ce jeu. C'était comme, lundi, c'est comme, Josiane, t'es plus dans le gang. Puis là, Josiane passe à la récré tout seul. Mais le mardi, c'était « Pascal, on a pensé à ça, puis Josiane va être dans la gang, mais toi, t'es plus dans la gang. » Tu sais, on se passait ça. « Real Housewives of Beverly Hills » avant le temps. Il y a un film à faire. Et on s'est écrit... À chaque fois, mettons, les filles, on écrivait une lettre pour être sûr que ce soit bien clair. Le message, avec un petit coin, c'était écrit « 100% privé ». Puis là... Tellement c'est vraiment mignon. J'en reviens pas qu'on a fait ça. Mais au moins, tout le monde en a reçu une, puis tout le monde, tu sais, a intimidé, mais comme, qu'est-ce qu'on faisait? Genre, on jouait pas au ballon poire à la place, là, tu sais, genre... Mais c'est tellement une période bizarre, ce bout-là. Ah, vraiment. On cherche, on essaie de regrets d'intimidation par la bande. Tu sais, j'en ai un autre que c'était en secondaire 2. un de mes amis les plus proches a fait son coming out, puis moi, j'étais genre...
faut pas que je sois associé à ça. Je suis en garde-robe. Je vais pas le dire. Fait que j'ai arrêté d'être. Je l'ai pas intimidé. Mais j'ai arrêté d'être ami avec. T'as fermé la porte du garde-robe derrière lui. Alors que ça aurait pu être ma première baisse, dans le fond. Ah, ouais. Ça aurait pu être mon premier chum. Genre, j'avais une belle opportunité. Puis il était cute, tu sais. Ah, ouais. Mais comme. J'ai arrêté. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Des regrets qui nous gardent réveillés. T'sais. Mais mon feeling, c'est. En tout cas, j'espère. J'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, peut-être que c'est pas le même genre d'intimidation, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est. Les coming out, tout ça, qui était tellement difficile, pas approuvé, pas les bienvenus, j'ai l'impression qu'il y a moins de ça en ce moment. Oui, oui. Je trouve que c'est beau, parce que moi, je me rappelle d'une fois, on était en rang au secondaire, puis la cloche sonne, tout le monde monte en même temps, puis moi, je suis dans ma tête, puis à un moment donné, je réalise que je m'enfonce la tête dans le cul de la fille en haut, parce que ça a comme à freiner dans les marches, mais et à partir de ce moment-là, tout le monde me dit... T'es lesbienne! Puis là, j'étais comme. Évidemment. Du coup, j'étais comme. C'est vraiment une insulte. Puis, tu sais, aujourd'hui, je serais comme. Puis, même si je l'ai. Là, j'ai juste involontairement enfoncé mon visage dans la raie d'autrui. Il me semble que. Je dis pas que c'est. Je veux pas généraliser, là, mais quand ça. Souvent, ça arrivait, là, quelqu'un se faisait traiter de gay. Mais quand cette personne-là l'assumait, faisait comme. Ben oui, assez. C'est comme. Ça va que le monde après ça il arrête, tu sais comme exact. Lesbienne, tu sais, puis c'est comme il tombait sur quelqu'un d'autre. Moi aussi je t'aime. Ça ferme pas. moi aussi je me suis fait traiter de lesbienne en deuxième année. Parce que tu frenchais des filles tatouées non-stop. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Les gars qui me traitaient de lesbienne, maintenant, s'ils me stalkent sur Facebook, ils doivent faire comme ça. Ben oui, lesbienne, quand même. Mais, je m'étais fait traiter de lesbienne pour la raison la plus inutile au monde. J'avais une veste à zip, un hoodie à zipper, puis je me changeais. Puis j'ai dézippé mon hoodie à zipper, mais j'avais rien en dessous en deuxième année, puis je me suis promenée en chest. Hey! Pardon! Mais voyons donc! C'est bien drôle! C'est impossible! Ah! Pourquoi? C'est bien drôle! Je veux comprendre le processus, là. Phil, t'es un jeune qui travaille dans le paysage, dans l'aménagement paysager. Oui, oui. Tu passes la tondeuse en chest avec ta veste écho des dézippés. Genre, la prochaine image, c'est toi qui sors en dessous d'un char avec la petite avec la roulette, le tank, là. Le genre. T'étais en chest. T'étais comme j'ai chaud, je me mets en chest. OK. J'y ai pas pensé. C'est fucking drôle. Chris, c'est impossible. Bon. Je me mets dans mon école primaire en tête. La ceinture d'outils, le pipe wrench, l'épaule. Je suis pas lesbienne. Il y a quelqu'un qui m'a vu, il y avait une lesbienne, puis j'ai fait. Chris, en effet, quand même. C'est excellent. Ah, c'est drôle, c'est ça. C'est excellent. C'est drôle. Je viens de me rappeler de ça, là. Ah, t'es-tu correct? Ah, ma tante a des Valium dans sa sacoche syrapognée. Hey, moi, je me rappelle aussi d'une fois au primaire, très, très jeune, avec une de mes voisines, Josiane, que je salue. En même temps, je salue, mais genre, fuck you un peu quand même. On faisait tout le temps des vendredis fureur. Fait que là, on allait chez elle, puis là, on regardait la fureur, on jouait. Puis là, il y a une fois, maintenant, on s'est dit, hey, on va écrire notre propre toune. Mm-hmm. Puis ça a viré qu'on faisait des rimes, genre, pas fines avec tout le monde de l'école. Ouais. Puis on s'est inclus dans les trucs. Puis le lundi à l'école, elle est rentrée avec ses papiers-là. Elle est allée voir la prof, puis elle a dit que c'était toute moi qui avais écrit ça. Wow. Puis elle avait enlevé le papier qui avait mon nom, comme dans Mean Girls. Ben, c'est une chienne, hein, celle-là. Là, j'ai été obligée d'aller m'excuser auprès de tout le monde des deux classes, mais j'étais comme, oui, pour vrai, je vais m'excuser, parce que c'est vrai que c'est pas fin de dire, genre, Caroline, elle a l'air pas fine. Mais, tu sais... C'est fucking shit. Elle, Mais tu sais, puis j'étais comme, on a mis nos noms, puis on s'est dit des affaires sur nous, mais elle a enlevé le mien comme si moi, je ne le faisais pas sur moi. Je l'ai eu à ça. C'est fucking whack, ça. Avec moi, là, sais-tu? T'es une plotte, c'est ça qu'elle pense. Elle ne ferme pas sa gueule dans son sauna, c'est sûr. Non, je sais pas, mais tu sais, comme, je comprends que c'est une affaire de bébé. Là, c'est peut-être ses parents aussi qui l'ont obligé là, à les donner, tu sais, comme ça au prof, mais je sais que j'étais comme, fou le chien, genre, viens t'excuser avec moi. Ben ouais. C'est regrettable. Oui, mais j'ai appris. Ouais. Ouais. Secondaire, moi, ça me frappe. Là. Il y a un gars, je me rappelle pas du surnom que j'y donnais, mais j'arrêtais pas de l'appeler d'un surnom, puis à un moment donné, il a juste fait comme. Là, si t'arrêtes pas de m'appeler de même, je vais vraiment péter une couche. Ah ouais. Ouais. J'ai juste fait, OK, nice.
Ah, c'était la couette. La couette, hein? La couette. Ouais, d'ailleurs, c'est ça, je cherche depuis tout à l'heure un surnom. Il y a un gars au primaire que... Lui, ben c'était lui la tête de turc de tout le monde, là, mais il avait toujours le nez bouché, puis comme un espèce de booger, là, mais vert, jaune, là, infection de sinus, mais à la des longues. Fait qu'il y a toujours une grosse croûtasse verte dans le nez. Puis il nous avait avoué, Mané, que sa mère, elle faisait de l'urinothérapie, c'est-à-dire la queue où tu vois ta pisse. Mais je me souviens pas, c'était une affaire genre pisse de morve ou morve de pisse ou genre pisse morve. Il y avait un surnom, mais tu sais, quand je pense, le côté absurde de ce nom-là me fait capoter aujourd'hui, mais c'est terrible. Il était ça toute son primaire. Est-ce qu'on parle pas tout à gauche? Moi, pendant un bout au secondaire, le monde, il m'appelait Flu Jaune. C'est tellement épais. Il était assis sur une bouteille de moutarde. Donnez-y une chance. C'est tellement épais comment c'est arrivé, ce surnom-là. Flu Jaune, OK, c'est parce qu'il y a eu un cours, secondaire 1, où on se crée notre adresse courriel. Puis notre adresse courriel, c'était la première lettre de notre prénom puis notre nom de famille. Fait que moi, je m'appelle Francis Legendre, fait que c'était F Legendre, fait que ça faisait Flegendre. Et là, Flegendre est doucement devenu Flugendre. Wow. C'est quand même un procédé complexe. Ben oui, mais non, ça... mais il y a de l'effort, là, là-dedans. Flugendre. Ouais, c'est du slam. Des surnoms, j'en ai eu, là, tu sais, Guillaume Bolduc. Moi, c'était au primaire, c'était Guimauve Bol de Suc. Puis au secondaire, c'est devenu... Ouais, c'est quand même. On dirait un calidours. Oui. Qui m'ouvre pas le dessus. Ah oui, c'est cute. Le calidours qui pisse la blasse qui a besoin d'insuline, mais le calidours... Ah! Calidours qui a sa machine à détecter. Le calidours qui a de la misère avec son glucose, mais au-delà de ça, il est fin. C'est bon. son jet, il est jaune dense. Ah ouais. Épais. Ouais. Puis le secondaire, c'était Bol du con. Bol du con. Bol du con. Je trouvais que ça sonnait bien, moi. Moi, je me rappelle... Ah, ça vient de me faire penser à quelque chose. Tu sais, moi, j'ai un grain de beauté en plein visage ici, puis j'ai grandi à l'époque Austin Powers. Oh! Ouais. Mouché. Ouais. Là, le monde courait-tu après avec le une branche? Le nombre d'objets qui ont touché ce grain de beauté, là, en disant mouché, là. Ah, il te pointait avec des objets? Oui, genre la prof, là, qui pointe sa carte, avec son bâton, était comme mouché, réponds. Oui, Madame Joanne. Le pointeur laser d'un aspirateur. C'est ça. Mais ça m'est arrivé quand même pendant une période, dont le principal étant mon frère, qui, évidemment, s'est gâté mouché. Je viens de me rappeler d'un truc. Quand j'étais, c'est vraiment bizarre, mais quand j'étais au primaire, genre première année du primaire, tu sais, c'est comme la première fois que tu comme découvres les urinoirs un peu, là, tu sais, les urinoirs debout, là, pour ouais, le ouais. Puis t'es-tu le gars qui baissait ses culottes au complet? Ouais! Grave mes pinces au complet. Puis là, je viens de me rappeler que le concierge, il m'avait donné une tape ses fesses. Non! Ça vient de me repopper. Non! Ouais! Genre, le concierge. Ah là, j'ai plein de souvenirs qui se débloquent. Hey, puis t'es tout petit, là, faut qu'il se penche. Ouais, mais tu sais, genre, hey, mais pas une tape, genre, call me daddy, là, genre, non. Mais une tape, tu sais, une tape du revers, de genre, hey, hey, range tes fesses. Ouais, hey, non, c'est pas cul de même, là, hey. Attends, le wow, avec là. Le gros set ouais, de gars. Hey, c'est bizarre, hein. T'es-tu correct, Mido, on peut arrêter l'épisode. Ouais, ça vient de me repopper. Non, ça va. Mais moi, en vieillissant, je me suis rendu compte que j'ai déjà eu un professeur qui avait des comportements vraiment inappropriés, là. J'en ai déjà parlé en quatrième année. Ça devient weird, ce podcast-là. Jean-Marc Gilbert, en tout cas. En quatrième année, oh là là. Quatrième année, on est jeune. Là. Le prof, au début de l'année, il dit aux filles, il dit, ah, tu sais, il dit, si vous avez des journaux intimes, il dit, puis si vous en avez pas, faites-en un, c'est super le fun à faire. Puis toi, vous pouvez me les donner le vendredi. Ah! Moi, je vais vous écrire un petit mot dedans, puis je vous les redonne le lundi. OK. Hein? Fait que lui, il lit, là. Il fait pas juste écrire un petit mot, là. Fait à quel âge? Quatrième année. Okay. Après ça, bizarre. Quand les filles allaient se faire corriger à son bureau, ils faisaient asseoir, tu sais, comme ils tassaient le livre, puis ils faisaient asseoir sur leur genou. Voyons! Hey! Et ils faisaient comme... Ils flipper une table. Comment toi? Hey! Oh, hein, non, je te jure. T'es où, je te il faisait des thérapies. Tabarnak. Mais voyons donc. À la fin de l'année, on allait tous se baigner chez eux. Mais non, calice. Oh, mais là, venez tous en maillot chez nous. Individuellement, tu fais comme, ouais, mais comme quand t'additionnes tout, tu fais non, c'est un fuck-up. Mais non, up, hey, je vois, à l'école de théâtre, j'aurais vécu ça, j'aurais fait une plainte à 17 ans. Ouais. Il demandait toujours d'amener le même maillot de bain que toi. Il faisait des thérapies aussi, genre
genre, mettons que t'étais un petit garnement ou que ça allait pas bien, tu sais, comme tu chamoyais ou t'étais tannant, mais il faisait thérapie 1, 2 ou 3. Puis ça, c'était ça. Dans le fond. Un, c'est juste des châteaux ordinaires. t'amenais devant toute la classe. Deux, on va un peu. Devant la classe. Devant la classe, et il te démolissait psychologiquement. Ça, c'est vrai qu'il y a, ça a été déjà, une année, là, il y a une période, arrivé, c'était ça. Ouais. Va-t'en avant de la classe, là, puis fais rire de toi par tout le monde. Là, il faisait, tu sais, puis il rentrait, puis il allait, tu sais, on est des enfants de quatrième année, là, c'est pas dur d'avoir le dessus psychologique. Mais non, c'est ouais. Là, les culottes à terre, tout le monde riait de son petit bâtard. Qu'est-ce que tes parents vont penser quand tu vas devenir un criminel? Puis ils connaissaient tous vos secrets, ils lisaient vos journaux. Il y a tellement d'armes. Qui avait tué déjà. Exact. Ah, moi, je me suis en première année. On fondait en larmes devant c'est tout clair. Le monde. Non, il était fucked up. En première année, ma prof, c'était le monstre Miss Stromboli dans Mathilda. Là. Elle a enfermé un gars, mais ça, c'était un destin d'intimidateur, c'était un trou de cul, mais elle a enfermé toute une récré dans le placard de la classe. Je me souviens, le jour de la fête des mères, avant qu'on parte pour le week-end, on faisait une lettre à nos mères, OK? Puis il y avait trois choix de lettres au tableau qu'on recopiait. Moi, j'y suis allé de liberté un peu. J'ai racheté d'autres affaires puis tout. Puis on allait faire corriger au bureau. Et je me souviens, j'étais allé à son bureau. Je dis, j'ai dit, je mettrais un bip. Ma Chris, là, mais c'était une vipère. Elle est sûrement morte, mais. Comme, on croise les mots. Poursuis-moi, pauvre comme la dèche, ma Chris. Alors j'ai dit, regarde, j'ai changé ça, j'ai mis ça. Puis elle m'a dit, hey, ta gueule. Elle m'a dit, ta gueule. On est en première année. Oui, puis elle était vraiment, avec ta cauchemardesse, elle était vraiment vilaine, elle criait après le monde. Et en cinquième année, une affaire qui me gardait réveillé, mais juste cette année-là, jusqu'au secondaire, quand j'ai eu des cours d'éducation sexuelle. Mais en cinquième année, ma prof, Mme Joanne, a dit à toute la classe que c'est juste les handicapés mentaux qui se masturbent. Et là, je me souviens, moi, j'avais commencé, puis là, on a vu tous les petits gars qui ont commencé cette année-là, tout le monde a fait... Et j'étais convaincu que j'avais quelque chose jusqu'à ce que je me fasse dire que c'était normal. Ben oui. Parce que j'ai continué pareil, c'était trop délicieux. Là, c'est trop mais à chaque fois, j'étais comme, je suis malade. Je peux pas dire ça à des jeunes qui se développent. Mais non! Je vous le jure, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Aïe, aïe, aïe. Le temps file, le temps file. Vas-y, vas-y. Ben, c'est parce que ma mère est là, fait que je vais en parler. C'est pas de l'intimidation, mais quand elle t'a dit ta gueule, j'ai vécu toi une fois qui m'a tellement fait rire avec ma mère, tu le sais. Ma mère, elle m'a enfermée dans ma mère, un ange sur cette terre, une femme extraordinaire, infirmière qui a donné sa vie aux autres. Et à mes 18 ans, je sors au Café Campus. Un dimanche soir, tu sais, les dimanches francs. on danse, tout ça. Moi, je suis la chauffeuse désignée, puis j'ai une de mes amies qui est malade comme un chien toute la soirée. Genre, elle a tellement. Tu sais, c'était genre. Il nous payait 20$ pour boire des shooters, genre, à ce moment-là, de la nuit, tu sais. Fait que mon amie qui a 18 ans à peine, elle est malade comme un chien, ça nous prend 2h30 Montréal, Repentigny. Ma mère, elle est inquiète. Mais tu sais, je la texte, là, je l'appelle, je dis. Gab est malade, mais tu sais, je vais aller porter tout le monde à leur porte. Ça. Je rentre à la maison. Ma mère est dans les escaliers. Elle me regarde. Elle shake un peu. Demain, elle fait tu fais-tu exprès? Va chier! Elle part de se coucher. Ah, mais c'est de la maltraitance. Tu fais-tu exprès, va chier. Mais qu'est-ce qui s'était passé, ça avec un collant? Mais non, mais t'es bien trop inquiète, puis je comprends, là, tu sais, à un moment donné, comme, on rentre drôle, pas, okay. On rentre pas, tu sais, puis on rentre pas. Francis, il va t'appeler. Non, mais c'est la seule affaire, genre, dans ma vie avec ma... Puis j'ai explosé de rire. Ma mère qui dit, va chier, c'est l'affaire la plus drôle. Ouais. Ah ouais, pour vrai, c'est pas de chance sacrément. Qui m'attend, gentil, puis c'était juste de l'amour. Au final, là, ils disent tout ça. Non, mais c'est ça, ça m'a tellement fait grand-père. Faudrait mettre la toune à Marie-Mé, là. Laquelle? Chante Marie-Mé? Non, non, t'es tout tatoué. Lâche les filles avec le dos tatoué. Un king, c'était un king. Encore ça. La chanson qu'elle avait faite pour la Fondation Marie-Vincent, on dit Trauma Dumb, plein d'enfants. Ouais, c'est vrai. Cool. Hey, mon autre Grenoble. Ouais! Ça a passé tellement vite. Ça va trop vite. Ah non, mais plus! Ça fait déjà une heure qu'on est là. C'est pas grave. Que, Pascal, on retient quoi de ce podcast? Que je t'aime, maman. C'est beau, ça. Et papa aussi. Papa oui, est là beau. Aussi. Mais papa n'a jamais dit va chier.
Boldoc. Je t'aime, maman. Ah, regarde, ça, c'est beau. Mag, on retient quoi de ça? Que tu t'es fait taper le cul par... J'allais là aussi. Par mon concierge. J'allais exactement là. Oui, oui, c'est bizarre, ça. T'as arrêté de te baisser les jeans complètement pour aller le voir. Oui, oui. OK, ben j'ai appris ça. J'ai appris ton concierge. Puis si t'as besoin de jaser, ma tante est là. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour vrai, si vous aimez ce qu'on fait, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner à la page YouTube. Allez vous abonner à notre Patreon aussi. On est rendu avec un Patreon. Plein d'épisodes d'avance. On a du contenu exclusif. D'ailleurs, les gens qui sont ici, vous avez des codes QR sur vos tables que vous pouvez aller. Et si vous abonnez à notre Patreon, mais ça vous donne des billets gratuits pour assister ici. Il est mieux de t'abonner à notre Patreon si tu veux venir voir les shows. Puis on est ici chaque dernier dimanche du mois au pub de l'Île-Noire qu'on peut applaudir. Merci encore d'avoir été là et vous venez d'écouter S'asseoir que ça se passe! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. On tient à remercier également Thomas Croft pour l'habillage sonore, Camélia Leclerc-Richard pour l'illustration, nos collaborateurs invités au studio Bien Entendu, au pub L'Île-Noire, à Maryse Gagnon, Vincent Lafrenière et tous nos membres Patreon. Merci de votre écoute.